Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV Passion Pétanque Française. Nous sommes de Alors, retour je disais donc ce bonjour matin mesdames, pour les huitièmes de finale de un l'international de la ville d'Espalion. rappel Et vous le voyez avant à votre de écran, discuter c'est Jean-Michel Santiago qui sur m'accompagne nos ce matin. Salut Jean-Michel, bien dormi? amendements. Bonjour Romain, oui, très bien dormi et fraîchement arrivé ce matin. Alors on Mais arrive à... on est très bien Ouais. ici à Espalion. Superbe place du Foirail sur les berges du Lot. On arrive dans le money time, on va dire, de cet Tout international, à fait. voilà, où est-ce qu'il y avait 512 triplettes au départ. Ils ne sont plus que 16 ans. Plus que 16 ce matin, donc dans ce magnifique carré d'honneur. Et vous avez pu le voir sur votre écran, la partie que l'on va vous diffuser. Alors c'est un gros choc pour ces huitièmes de finale entre deux superbes équipes, l'équipe de Ludovic Montoro, Pierre Lucchesi et Michael Rosati. Voilà, vous le voyez sur votre écran, face à José Muratti, Michel Achadourian et Antoine Château-Canot. Oui, tout à fait. Donc un choc, ben, il fallait s'y attendre, hein, vu le plateau exceptionnel qu'on a vu là tout le week-end. Donc on va s'attendre qu'à des chocs aujourd'hui et notamment on va vous présenter le premier huitième de finale ici devant les Web TV. Et comme vous pouvez le voir, les tribunes sont déjà très très bien garnies. Il n'y reste plus que quelques places. On a vraiment un public génial ici à Ouais, l'Espaliéron. comme chaque année, le public affiche vraiment complet. Et les joueurs terminent leur échauffement. Et on va pouvoir démarrer les huitièmes de finale avec encore un superbe plateau ici. On vous le disait, de très très belles confrontations. Et nouveauté cette année sur le circuit Passion Pétanque Française, PPF Tour. Et bien, les huitièmes de finalistes seront récompensés de 2 points cette année au circuit PPF. Oui, tout à fait. Ça, c'est une Allez, nouveauté cette année sur le circuit on PPF Alors, ce qui serait où pas à mal, partir du parce que 8e de finale, on les autres peut sont déjà engranger des devant. points Oui. et on peut ainsi Et comme d'habitude, ce sera le améliorer tour son des tribunes. classement. Voilà. Donc, merci à nos spectateurs d'être déjà aussi nombreux dans ces tribunes des allées du Foirail pour les Allez, on huitièmes a de pris un petit peu finale de de retard la pour le 8e édition de protocole. l'International de Sachant la qu'en ville plus à Espagnol, d'Espalion, c'était barré, pour donc ces les joueurs championnats, ont eu je un petit compte peu de sur mal vous, les à spectateurs. accéder au terrain de Et jeu. Mais oui! cette fois-ci, c'est bien lancé. Voilà, vous avez entendu Voilà, le coup de ainsi que sifflet le de scénario va l'arbitre. bien Nous allons pouvoir retentir dès les démarrer huitièmes de cette finale. partie. Voilà, on démarre avec un jet de bouchon qui est à moyenne distance, aux alentours de 7,50 m. Je pense que les joueurs ont besoin un peu d'échauffement. Ils ne veulent pas déjà démarrer trop trop loin ce matin. Les belles entames de partie de José Muratti. Alors c'est une boule à 30 devant, un peu sur le côté, boule piège. Alors du coup je pense qu'on va y tirer de suite. C'est très bien tiré Oui, de la Michael part de... Rosati qui entame très bien sa partie. Mais de toute façon, on le voit, hein, là on va se jauger un peu sur cette première main, étant donné les forces en présence. À cette distance, je pense que on va pas trop se regarder trop longtemps et on va essayer de tirer un peu partout. Hein. C'est dommage. José Muratti qui a perdu le point. Allez, on allume les micros sur les joueurs. Vous allez pouvoir entendre tout ce qu'ils se disent. Les tactiques de jeu. Et vous êtes déjà plus de 2000 à nous suivre et on vous encourage aussi à nous suivre et à partager la page web de Ouais, PPF. prends une boule. Et on vous en remercie. Et vous pouvez suivre également tous les résultats des huitièmes de finale sur la page Passion Pétanque Française. Allez, belle reprise de points
d'Antoine Château-Canon. C'est parfait. Très bon début de partie de Michael Rosati. On voit que Michel déjà réfléchit peut-être à aller noyer le but pour éviter la grosse main d'entrée. Et il est capable. Ah, Michel est capable de tout. Il a effleuré le bouchon. Il a encore une boule pour le faire. Et c'est fait. Bravo. C'est bien bravo. Tiré. Et voilà. Regardez sur ce ralenti réalisé par Vincent Baquet. C'est superbe. Ah, ça a l'air simple avec ces joueurs-là. Quand on est en difficulté, ben on s'est dit ben on va annuler la main. Et c'est fait. Voilà, belle main d'échauffement. Ah oui, oui, belle main d'échauffement. On est rentré dans le vif du sujet. On a vu deux belles frappes de la part de Michael Rosati. Et une seule boule qui s'est égarée. Et on est parti directement au bouchon pour annuler la main, histoire de ne pas perdre de grosses mains d'entrée. Et vous pouvez voir sur ce plan large que les tribunes sont bien garnies. Il fait pas très chaud ce matin à Espalion, mais le public répond toujours présent ici. Et plus ça va avancer, plus on va monter dans la journée. Ou est-ce que le public va s'amasser en masse autour des terrains? Oui, après, vraiment le public arrive en nombre. Ce matin a démarré aussi le triplette international féminin. Elle s'est bien donnée. Oui, elle s'est bien donnée celle-ci. Il est un petit peu court, regardez. Et un petit bonjour à nos amis qui nous suivent en Grèce. Et on les remercie de nous suivre là-bas. Alors vous savez également qu'a débuté à 10h l'international féminin. Allez, regardez aussi ces plans de la grue, c'est une nouveauté aussi cette année à Espalion. La grue pilotée par Doumé. La première de l'histoire en ce qui concerne le tir de précision. Aurélie, qui apporte de magnifiques Aurélie. Images. Allez, Mika. Et superbe. Reprise de point de José Murat. Oui, on a vu cette boule de Ludovic Montoro qui est restée un peu court. Alors, est-ce qu'il a fait exprès ou pas? Est-ce que c'est une tactique pour pouvoir attaquer le tir avec son équipe? Par une équipe de France 3 région. Et on est fiers et. Et on remercie. C'est bien tiré encore une fois. Michael Rosati. Perdu. Un petit déplacement du but qui a fini. Ludo, il est resté sur place. Et toi, tu es là. Ouais, oui, on peut entendre José Murati avec ses commentaires. Ouais. Et effectivement, l'appoint n'est pas évident sur ce terrain. On l'a vu hier. Hein. On a vu hier où même des joueurs très très expérimentés avaient quand même quelques soucis. Ouais. En fonction des frappes et des donnes, ça se passe pas
toujours comme on veut. Hein. Voilà, ça c'est encore très bien joué la part de Ludo. Ludovic Montoro. Qui revient très fort hein, après son accident et ça fait plaisir ça de fait le revoir. Très plaisir à voir, de le revoir sur le terrain, Ludovic. C'est dur, le terrain est plus dur par haut. C'est frappé encore un autre déplacement de Mouchard. Ouais, déplacement du but. Allez, Pierre. C'est vrai qu'il reste encore un peu à leur faveur, puisque la boule de Château-Canot qui était à un mètre derrière, finalement, elle n'est plus qu'à 60 cm du but. Bien. Allez, Pierre Lucchesi qui a fait la reprise de point. Ouais, il n'est pas content. Il n'a pas l'habitude. Michel Achadourian qui remettra son titre de champion de France doublette en jeu à la fin du mois. Champion de France 2022 aux côtés de Kevin Bonvarlet. Ouais. Les championnats de France qui auront eu lieu cette année à Quimper dans le Finistère. Kevin Bonvarlet que j'ai vu ce matin avec l'immense Joseph Sini attaquer le doublette masculin. C'est ce vrai. Matin. Allez Pierrot. Ça sera passé. C'est passé. Tout. Il manquait pas grand chose. Il est passé. Ouais, dernière boule. Le Pierrot Lucchesi. Qui rajoute. Pierrot qui est un excellent joueur et qui est vraiment très très agréable. Oui. C'est un garçon très charmant. Et vraiment, il a toutes les qualités. Il pointe très bien. Il tire aussi quand il faut. Et voilà. L'ouverture du score, ça fait 2 points. 2 points pour l'équipe de Ludovic Montoro qui a ouvert leur compteur. Allez, on vous propose à l'écran le tirage de tous les 8e de finale. Avec de très très belles parties. Oui, vous pouvez le voir, hein, Kevin, l'équipe de Kevin Lelouch face à Christian Renseno. Ouais. Christophe Sevilla qui est opposé à Christophe Calissi, donc un duel de Christophe, et en plus ils se connaissent bien puisqu'ils sont tous les deux dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. L'affiche en direct, ben, vous l'avez ici, c'est José Muratti contre Ludovic Montoro. Nous avons l'équipe de Cédric Salvini qui est opposée à Xavier Robert. Dominique Isaïe, quant à lui, avec Maison Durk et David Dehors, on a eu la chance de les avoir hier et ils sont en très grande forme face à l'équipe de Charles Brun. Ouais, de superbes affiches pour ces 8e de finale. Nous avons l'équipe de France qui est opposée à l'équipe de Bruno Gir avec William Dauphin et Cyril Bégon. L'équipe de Grégory Denardi face à l'équipe de Dylan Cano, Jacques Dubois et Anthony Cortés. Et enfin l'équipe de Delson Boulanger, encore un jeune qui a été champion de France. Opposé à l'équipe de Michael Feiertag qui a éliminé le grand monsieur Philippe Quintet, hier soir en 16e de finale. Donc comme vous le dites, c'est vraiment un plateau exceptionnel avec vraiment du très très haut niveau. On va monter crescendo dans la compétition. On espère aussi que la température montera aussi. Exactement. c'est vrai qu'on a mis la petite veste ce matin. Déjà on passe à travers les gouttes. Allez, c'est pas une très très belle main pour l'équipe de José Muratti. Michel Achadourian qui a manqué sa première boule de tir, qui a bien rectifié. Là, José Muratti qui perd le point. En même temps, il est ingagnable ce point. Et du coup, on va essayer de détruire. C'est bien tiré.
tout ces vélos, on va essayer de détruire et essayer d'économiser un maximum de points en espérant peut-être une petite erreur de l'adversaire. C'est ce que je dis tout le temps, quand on ne peut pas marquer, il faut essayer d'en prendre le moins possible. Allez, belle pointe de Pierre Lucchesi. Cette fois-ci, elle est derrière, donc on va prendre l'option du point et essayer de venir le gagner en face. En face, en espérant faire un petit devant de boule, pourquoi pas, qui pourrait sauver la main. Et voilà. Allez, bien celle-ci. Allez, bien joué. Allez, regarde rien, pousse. Très bien joué de la part de Julien Muratil qui est venu se mettre dans la... devant la boule. Voilà. Ah, elle est un petit peu long. Juste, ben, sur la sienne. En étant juste un peu long, la boule étant derrière, ben voilà. Et là, comme quoi. Comme quoi, ben voilà, la main, elle retourne. Allez, joue bien ça. Là, ça doit gagner maintenant. Allez, Pierre. Ah, c'est très bien joué. Il est juste passé. Hein. Très bien joué de la part de Pierre Lucchesi. Oui, parce qu'on pouvait, pas, mal. Ouais. On pas, pouvait pas retirer hein, cette boule parce que après, on tenait pas en seconde. Donc, Après, on n'est pas à l'abri. Hein, il reste encore une boule dans les mains d'Antoine Gano. Hein, on ne peut pas se permettre. Ah, c'est bien joué. Pas qu'ils partent les deux. Bon. Pas qu'ils partent les deux. Allez, Antoine Chatopano qui va essayer d'arracher la marque. Attention, le but est un peu dans le coup, vous le voyez sur vos écrans. Essayez de frapper sans rien toucher, sans rien casser. C'est fait. C'est fait. Bien, bien. Et ouverture du score. Et bien voilà, c'est fait. Donc, ouverture du score pour l'équipe de José Muratti qui revient à un point. Donc. Voilà, donc la partie est bien lancée. Allez, on va jouer un peu plus long. On sera pas loin des 10. Ah, on va faire appel à M. l'arbitre. Non, je pense pas. Non, non, les deux équipes sont d'accord finalement. On fait confiance à la mesure de Michel Chadorian. Super bon point. Elle est bien revenue celle-ci, parce qu'elle partait sur la gauche de votre écran. Elle est, elle est bien revenue. Oui, mais on a l'impression que le terrain est totalement plat. Hein. Oui. Quand on regarde de vue de haut, mais quand on est sur place, il y a beaucoup, beaucoup de dévers hein, sur ce terrain. Oui, parce que vous ne le voyez pas forcément sur vos écrans. Mais c'est vrai que le terrain est vraiment pas évident, hein, on le disait. Alors, on pourrait croire qu'il y a beaucoup de sable et que c'est des terrains d'attaque, mais pas du tout. Avec l'immense chaîne que vous avez sur la gauche de votre écran, quelques racines, donc un terrain vraiment pas évident. C'est bien tiré par Michel Achadourian. Qui va essayer de reprendre ses moyens habituels. Ouais, un tir assez souple, la boule monte très très bien. Ludovic avait gagné dès sa première tentative. Il est encore très très bien joué. Il en manque pas beaucoup. Allez Mika, allez, ils sont bons d'aller tirer. Et oui, de pouvoir se lancer parce que le point devant comme ça, il peut se défendre. Ah,
était juste pas droit, vous le voyez, à l'impact. Il aurait pu la prendre un petit peu sur l'oreille. Il aurait pu la bousculer, la faire partir. Mais là, sur ce terrain, ça ne pardonne pas. Hein. Ouais. Ça ne pardonne pas, il faut vraiment être sur la boule. Non, merci. On va toujours pour le gagner droit à la mienne. On va tirer, tu vas avoir deux boules de retard et... Ouais, toujours pour le gagner nature. Droit à la mienne, pas plus fort. Hein. Elle vient là, elle a gagné. Allez, Pierrot, essaye. Allez, essaie de le gagner, tu peux le gagner encore. Arrivé juste. Avec quoi, la donne? Ça. Il manquait juste un peu de force, effectivement. Tu veux pas l'envoyer là-bas, tu traverses? Ouais. Ouais, mais là, tu veux envoyer là. Ouais, je suis. Allez, Pierrot, je suis désolé parce que je connais pas les arbres, moi. Hein. Donc oui, c'est un platane. Ah merci oui, pour platane. Vos commentaires. C'est toujours très sympa. Hein. Parce qu'on vous lit, on vous suit. On vous lit, on vous suit. Oui, mais on veut vous faire réagir. Vous êtes déjà plus de 3500 à nous suivre. On vous en remercie. J'ai vu que t'es parti passer de ça. Et on aime bien vous faire réagir. On aime bien vos commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions. C'est toujours sympa, après. C'est toujours sympa, bien sûr. Mais... Ah, c'est la mienne, il me manque deux tours, je gagne de suite. La sortie, ça nous a fait plus de temps. Il n'a rien touché, il est passé entre les deux boules. Mais la mienne, il manque rien. C'était très très bien envoyé de la part de Pierre Lucchesi qui est venu jouer sur ces deux boules et qui a réussi à faire le point. Ouais. Je dis là, je vais pas me l'envoyer. Ah, c'est super. Pour nos canons. Je sais pas. Moi, je vois pas les, je les vois pas les points. Allez, Mikara, doucement. Super bon. Allez, essaye de la faire contrer. Très bien tiré. Du coup, en venant se coller sur la deuxième boule de l'équipe adverse, il les oblige à pointer. Bien. C'est. Je sais pas s'il y en a deux ou un. Et toute la course qui nous suit hein, pour poursuivre José Murati et un bonjour à nos amis Bastille aussi ouais. Qui nous suivent sur l'île de Beauté. Sur l'île de Beauté où on se retrouvera fin septembre, début octobre. Septembre, début octobre, tout à fait. Étape de l'île Rousse. Juste après l'île Rousse. C'est ça. Juste après l'île Rousse, le 23-24 septembre, on se retrouvera à Ajaccio. Donc le 30 et 1er octobre. Allez, dernière boule de la main pour José Murat. Qui va rajouter. Ouais, qui va rajouter. Bravo. Et c'est bien fait. Excellent, bien pointé. On va mesurer le troisième, puisque Michel, il a l'air de dire que peut-être il y a un troisième. À mon avis, il y a. Je sais pas si je l'ai là, non. Il est dans là. C'est quoi, ça coche là ? Elle on va le mesurer. Donc, il y en a deux sur. Il est là. Hein. Attends. Voilà, on a trouvé un mètre. C'est bon. Allez, je vais en profiter pour vous donner quelques résultats en cours de partie. Et bon, on va vous l'afficher sur l'écran. Quoi ? Donc ce sont 3 points supplémentaires. Donc 3 points supplémentaires pour l'équipe de José Murati qui va monter son compteur point à 4. Donc 4 à 2 pour l'équipe de José Murati face à Ludovic Montoro. Sur le terrain 12, on va saluer la qualification pour les quarts de finale de. Allez, vous l'entendez peut-être, notre ami Laurent Cosse. Michael Bonnetto,
l'équipe de France, donc premier qualifié pour ces quarts de finale. Il vient de l'équipe de France qui est qualifiée pour les quarts de finale cet après-midi. William Dauphin et Cyril Bégaud. Ah oui, non, ça a été expéditif. Ouais. Hein. Ça a été très très vite ce matin. Très vite ce matin pour l'équipe de France. Ah oui, ils étaient réveillés, ils étaient déjà chauds par rapport à leur adversaire. Voilà, quand même. On a eu du mal apparemment. Qui a fait un beau parcours parce qu'ils prendront deux points ce matin en ayant perdu un huitième de finale. Deux points au circuit PPF Tour. Et José Muratti qui continue son travail de sapin. Trois points. Pour Moano Feltin, Miguel Bonetto, Christophe Sarri. Ah, vous l'avez bien vu sur votre écran. Il n'est pas droit. Il n'est pas droit, Miguel, sur ce tir-là. On va aller retirer de suite ou faire pointer Ludovic Montoro. On risque de prendre un carreau. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils vont. Ouais. On va prendre l'option du tir et retirer tout de suite pour faire de la place parce que ce point vraiment est, il va être, il est compliqué à gagner. Ouais. Ah, c'était bien frappé, malheureusement sa boule est sortie du ouais. cadre. Ça veut de rejouer. Magnifique ralenti que nous propose à la réalisation notre ami Vincent Baquet. Que vous retrouverez cet après-midi Vincent au commentaire. Il est très en forme ce matin, je vous le dis de suite. Alors là, il n'est pas venu pour plaisanter. Allez, superbe point de Ludovic Montoro. Voilà, vous l'avez vu. Le panneau score a été mis à jour. Donc c'est bien 4 à 2 pour l'équipe de José Muratti. Et encore une belle frappe. C'est cadré. C'est cadré. Ah. Bien tiré. Ouais. Après, tire au bouchon, tu manques le bouchon, t'en perds 6. Allez, on est dans la, peut-être, dans la même situation que la première maintenant. C'est ça. On a changé juste les couleurs, voilà. Mais on est dans la même situation. Voilà, on veut pas perdre une grosse manne et on analyse. Trois boules. On se pose la question. Quatre boules. Quatre boules. Allez, on va essayer d'en bouchonner. C'est encore très très bien joué de la part de Ludovic Montoro. Qui a bien envoyé, il a essayé de venir sur le but. Après tu peux te coller, tu peux. Attention, ils vont tirer. Après c'est sûr que si je la mets là, c'est comme ça. À droit. Juste pas droit. Ouais. Ouais finalement. Mais... On avait peur de, d'être sous la foudre hein. Et les carreaux de Michel Chauvray et Antoine Canon finalement, mais c'est un premier manqué qui remet un peu les équipes à égalité au niveau du nombre de boules. Allez Pierrot, doucement. Allez, essaye de faire jouer de suite. C'est superbe, magnifique superbe carreau. Ouais. En plus il est même pas sorti. Hein, Michel. Ouais. C'est ça, parce que même en manquant Michel n'est pas sorti du 4. Il n'est pas sorti la boule à Michel. C'est un tir à 3 là pour Antoine Cano. Magnifique, superbe carreau. Superbe. Comment
Ah, il a réussi. Il a réussi à venir sur le but, ouais. Mais ça revient au même. Ben, José Murati a la lourde responsabilité d'un tir à 4. Et c'est frappé. Bien frappé. C'est frappé la part José Murati. Donc ça sera deux points. Deux points. Deux points supplémentaires pour cette équipe. Je fais carreau. Et Michel qui dit finalement je pense que je vais pointer de tête. Allez, vous pouvez voir sur le bandeau en dessous. Les huitièmes de finale ce matin à 10h. Les quarts de finale à 14h30. Les demi-finales à 17h. Pour terminer par la grande finale ce soir à 21h. Juste après, le feu d'artifice sera tiré ici. Et demain, nous serons présents pour l'international féminin qui, elles, ont démarré leur compétition ce matin 10h avec, comme on le disait hier, 192 triplettes au départ. Avec demain, 14h30, les quarts de finale, 17h la, 17h, la demi-finale et 21h, la finale féminine lundi soir. Encore un très beau programme pour ce week-end. Espagnol qui vit... au rythme de la pétanque durant ces 4 jours. Oui. Allez, José Murati. Tame moyenne. Très court. Ça devrait pas poser de problème à Ludovic Montoro. En général, quand on dit ça, c'est... on le perd, le point. C'est vrai. Mais là, ça devrait, pour un joueur du calibre de Ludovic Montoro, ça devrait pas poser de problème. Eh bien, voilà. Tout juste. Hein. C'est gagné, mais tout juste. Tout juste, il a failli rencontrer la boule de José Murati. Je la mets 8 mètres, je la mets à 7 mètres 50 la boule. Papa, encore là, allez. On va te poser là où je veux. Et là, il y a le bouchon. Là. Oh, il a rencontré sa boule. Ouais. Ah, c'est pas question, je veux jouer. Je veux jouer là. Coup, il a deux points. C'est très très bien rectifié de la part de Ludovic Montoro. Pas sorti la première. On pense à moi qu'il n'a pas fait bon, mais je vais. Ah, c'est superbe. Okay. Regardez son petit recul. Hop. C'est bien tiré. Allez Mika, essaie d'approcher. Va le replacer. Du coup, on a décidé de tourner. Hein. On a oui. Michael Rosati qui est passé au poste de milieu. Mais il était à une sur deux. Et ouais. Ils ont décidé de tourner avec Pierre Lucas. Oh, magnifique carreau. Magnifique carreau de Michel Hachadourian. Et vous l'avez entendu, José Murati qui se posait la question à savoir si c'était vraiment le jeu de tirer. Mais une fois qu'il a eu le résultat, il a dit oui, effectivement, c'était le jeu de tirer. Joue bien ça là. Très très bien pointé. Ah, ça, ils ont 4. Ah, tu tires, après, s'il tape au double. Je sais bien, mais tu peux péter 4 ou 5 quand même. Ah, je suis d'accord avec vous, mais. Tant pis si tu marques pas, mais en pointant, tu peux en perdre 15, ça fait que 2 à 7.
Mais tu peux marquer encore. Mais tu vas pas mal taper, tu vas bien jouer, Pierrot. Ouais, mais bon. Comme vous voulez, après, si tu veux tirer, tire. Tu laisses un tir à 3, deux boules en main. Je sais pas, moi. Après, s'il joue bien sa première, s'il rentre, qu'il en met bon. Après, si vous voulez prendre le risque. Bien joué. Ah oui, il est rentré des trois autres. Après, c'est vrai. Si on veut marquer, il faut absolument tirer. Mais si on ne rend pas le carreau, ben, on va s'exposer de suite aux frappes de Chatokano. On l'a vu que ce matin, il est très très, 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 très bien. Alors, effectivement, on peut. C'est ce que je te dis maintenant. Parce que tu pouvais taper au manqué et après celle-là, mal taper, même pas de rentrer, comme tu disais. Maintenant, tu en as deux bons. Maintenant, quoi qu'il arrive, si tu tires, il est obligé de tirer deux fois quand même. Là, pour moi, je peux y taper, mais je prendrai pas le carreau. Donc là, on prend le temps de la réflexion. Mais je te dis, moi, si tu veux y aller. Mais t'as mis deux bons, il y a loin. Mais tant pis, si tu tapes double, t'en perdras deux. On perd 3, 4 ou 5. Allez, essaye de taper, Pierrot. Ouais, je suis d'accord avec mon taureau. Je pense qu'il faut essayer de frapper en cette boule. On a beaucoup de mains à nous, on est tourné 2-6 derrière. Allez, Pierrot. Allez, fais jouer. Un peu de distance. Voilà, on prend le temps de faire repousser celle-ci. Ah, bah si on veut marquer, de toute façon, il va falloir tirer sur ce boule, au risque que Chatokano derrière tape double et en perde. Et c'est à souligner. Ah, c'est manqué. Bah, de toute façon, il va aller tirer quand même. Hein. Oui. Quoi qu'il en soit, ils auraient tiré. Ça, c'est à moi. Allez, tu tires bien la première. Voilà. Ça peut faire une très belle main. Ah ben, c'est sûr, ça fera vraiment l'écart et le coup de massue. Parce que si on se retrouve avec 4 voire 5 points par terre, ça ferait monter à 10, 11. Ouais, ouais, boule importante. Voilà. C'est bien tiré. Premier carreau. Eh ben c'est clair, Romain, voilà, on a 6 au carreau. Ouais. Allez. Donc on a pris le risque du côté de Ludovic Montero. Donc si elle réussit sur cette frappe. Oh, ça s'est juste manqué. Oui, juste tapé devant, elle est sautée. La boule a sauté par-dessus. Et finalement, c'est qu'un seul point. Qu'un point. Ah, c'est dommage. Ah, ben. Ils auraient pu faire une très très belle avancée. Ah ben là, ils auraient pu carrément prendre l'option sur cette partie. Le 7. Ben, du coup, ils se retrouvent 7 à 2. Ouais. Ben, c'est une de soulagement. Oui. Pour Ludovic Montero, Pierre Lucchesi, Michael Rosati. Ah oui, oui. Je pense que quand ils ont vu cette boule manquer, je les ai entendus souffler. Tu donnes la chance avec ta première. Allez, vous les voyez sur votre écran. Les prochaines étapes du circuit PPF Tour 2023. Voilà, fin du mois, on sera à Auch pour une nouvelle étape. On enchaînera avec Carcassonne, la Talaudière, vous les voyez défiler. Vous avez encore Santa Susana et terminé par l'étape de Saint-Tropez. Voilà, un très très beau circuit PPF Tour 2023 avec la grande finale pour 2024. Alors, on ne connaît pas encore le lieu, les dates. On serait informé en temps et en heure. Oui, il y a déjà quelques options. Oui. On dévoilera en temps et en heure le lieu de la grande finale. Alors, on a encore un petit peu de temps parce que nous en sommes à la mi-saison quasiment. Pas encore, on n'a pas encore atteint la mi-saison puisque c'est seulement la 6e étape ici à Espalion. 6e étape pour les hommes, la 5e chez les féminines. Et comme vous le voyez, on décide de jouer loin, hein, l'équipe de Michel Achadourian qui décide de jouer loin. On est bien en bras, donc oui. On décide de jouer loin. C'est bien tiré encore. Michel Achadourian
Ça y est, ouais. Les machines là sont à température et. Bien tiré. Et il va falloir que. 10 de trop, que Ludovic s'applique encore. On va voir. À essayer de les faire plier parce que. Oh, c'est bien, bien joué encore la part de Ludovic Montoro, qui a une très très belle reprise. Un peu face à la boule. Michel, il s'est réglé. C'est réglé, Michel. Il a fait un coup sur 2, 3, 4 premières lignes. Oh, magnifique. Alors. C'est superbe. Voilà. On l'a entendu juste avant Ludovic Montoro dire ouais. Ça y est, Michel s'est réglé. Voilà. Magnifique carreau. Il vient se placer derrière le but. Donc là, ben, il faut espérer un déplacement du but. Il va falloir tomber. Pied dessus. C'est bien tiré. Oh, très, très bien tiré. Mais malheureusement, pour le but n'est pas sorti. On revoit là au ralenti ce magnifique tir de Pierre Lucchesi. La courbe. Et le bouchon qui est parti avec la boule, mais il n'est pas sorti du cadre. Donc on va se retrouver à environ 11,50 m maintenant. Boule à boule, essaye de le mettre bon. Essaye. Avec un joli point. À la gauche du but. 3 contre 3 là. Environ 70-80. Il fait 6 ans, carreau. Je pense que ce point est défendable. Là, il est court. Il sera court, Michael Rosati. C'est pas grave, mais qu'il a fait le bon maintenant. Allez, vous le voyez avec cette vue aérienne proposée par Doumé. La boule de droite de Michael Rosati qui sera un peu court. Allez, deux boules à 3. Allez, avec la distance, on est presque au bout la boule. Allez Mika, essaie de bien jouer celle-là. Non, c'est repris. Ouais, on décide d'aller faire d'aller pointer, José. Oui, d'essayer de faire une reprise parce que c'est très loin maintenant pour tirer. Donc. Ouais, il faudrait qu'il vienne au moins se placer en seconde pour laisser. Oui, pour améliorer son point. Pourquoi pas après Antoine Canon d'aller tirer dans cette boule, même si à la distance il est capable largement. Ah, ça arrive fort. On force un peu sur la pointe parce que sur le fond du carré, comme on peut le voir avec ce magnifique plan de la grue, on voit qu'il y a beaucoup plus de gravier sur le fond. Donc on essaye de forcer un peu plus parce qu'effectivement ça freine. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais. Oh, c'est superbe. Bravo. Quel magnifique carreau. Non, la différence, alors, c'est qu'il suit, même s'il met droit comme tout à l'heure. Alors effectivement, il a mal au dos, mais il arrive encore à faire des carreaux à 11 mètres. C'est super. Putain, il faut le faire là. Bon. Yeah. Allez. Juste passé, allez, il a quand même coupé un point. Alors là, je vous certifie que c'est vraiment très loin. Hein. Ouais, c'est très très long. Ouais, bah, c'est bon le sien, son carreau. Et c'est poussé encore une fois. Ça fera une main de 3 points. Main de 3 points supplémentaires là pour l'équipe de José Murat qui monte à 10. Bien. Superbe main. Pierre Lucchesi qui a un sourire. Ouais. Il
Ah ben oui. Bon, ben à nous. Toi, Château Canon qui fait une très très belle partie. Ah, il va falloir faire mieux. Ça va falloir faire mieux, sinon ça va être compliqué. L'amène avant, il avait l'amène un tir à 6 au carreau. C'est la seule qui l'a manqué, je pense. C'est la seule qui manque de la partie. Donc là, effectivement, l'arbitre lui fait la petite réflexion puisqu'il a levé le pied. Mais on ne peut pas lui en vouloir. Avec l'élan qu'il a pris pour aller tirer à 12 mètres là-bas, il a été emporté un peu par la boule. Ce sera un simple rappel à l'ordre. Il en sourit, Château. Et 10 à 2. Attaque. La 8ème mène. Donc voilà, donc les arbitres qui font aussi bien preuve de psychologie là, ils font, on vient voir les joueurs, on les avertit et ça se passe très bien. Allez, les encouragements de Michel Achadourian à José Murati. Allez, vous pouvez voir aussi également les premiers qualifiés pour les quarts de finale à 14h30. Et alors, l'équipe de France de Michael Brunetto, Christophe Sario et Moineau Feltin. Suivi de la formation de Dominique Usaï, Messon Durk et Ligan Dauer. Voilà les qualifiés pour les quarts de finale cet après-midi à 14h30. Il y a encore une belle entame au point de José Murati. Il y a plein de jeux, mais après, il y a de la place pour rentrer avec. Il y a loin, non ? C'est ça ? Même si je le tape dedans et qu'il reste à eux, c'est pas grave. Mais là, il va falloir trouver, je sais pas, une solution pour l'équipe à Ludovic Montoro pour essayer un peu d'inverser la tendance. Et, parce que là, ils sont sous la grêle, comme on dit. Hein. T'en défends un bon maintenant. Ouais. Allez Pierrot, t'en défends un qui est pas mal maintenant. Allez. Allez Pierre. Allez, il faut y tirer de suite. Si on va au mastic comme ça de suite. Faut faire jouer. Ça peut lui faire un guide ça là. Wow. Bravo Pierrot, bien. Superbe. Magnifique carreau de Pierre Lucchesi. Voilà la tactique de Pierre Lucchesi, c'est de dire ben, je vais faire des carreaux moi aussi. Ben oui. Ouais. Il en est largement capable. Et essayer de contrarier les plans de Michel Chadrian et Antoine Gano. Et pour remonter au score, parce que là, il menait 10 à 2, là. On peut plus se permettre là, de laisser passer les mains. Hein. Ouais. Ça, là, c'est ça vrai. Il y a une boulangerie dans le jeu, ça fait mieux tirer, il y a loin. C'est ça. Oh là, on celle-là, on l'a vu à l'impact. On l'a vu, oui, elle a fusé. Elle a fusé à l'impact. Je tombe mal, je tombe pas mal. Il y a la petite fenêtre entre les deux boules. Essayez de Bédi venir entre ces deux boules. Château. Voilà, et c'est fait. C'est fait. Je sais pas. Vraiment un gros volume de jeu. Ouais, ils sont bons, c'est très très belle partie. Allez, Pierre. Ça va, bien. Et ça suffit. Fait. On se retrouve 3 boules à 3, 2 points par terre pour l'équipe de Dominique Montoro. On va essayer de les défendre et essayer de voir si faire une manne de 2 voire 3 points pour essayer de raccrocher un peu au score. Là, c'est encore très très bien joué. Hein. C'est bien, c'est que tu. Elles sont bien jouées. Ah, Mika, frère, force-toi un petit coup là. Ah, Mika. Ça, c'est que c'est des terrains, tu peux jamais assurer une boule à la pointe. Tu sais pas comment vont taper. Tu peux bien les jouer et mal taper. Ça répond si bien que ça. Celle-là, elle a reculé. Elle a un peu trop reculé. Mais bon, ça a fait du bien. Ouais.
Michael Rosati, hein, ça faisait un moment qu'il n'avait pas tiré de boule. Voilà, ouais, je pense qu'il va reprendre beaucoup la confiance. Hein. Il a reculé de 1m50, facile. Allez, toujours deux points par terre. Et voilà, Michel Achadourian dans un rôle inhabituel. Il va falloir qu'il gagne deux fois le point. C'est bien joué. Allez, Mika, encore une. Passe-toi encore une fois. C'est compliqué hein, quand on joue contre des équipes comme ça. Toutes les boules sont jouées, toutes les boules avec une efficacité et un volume de jeu énorme, c'est compliqué. Oh, très beau recul encore. Donc, hein. Ah, c'est superbe. Regardez ce ralenti. C'est magnifique. Hein. Regardez comme un recul. Voilà, la tactique, c'est ça. Il va falloir les obliger à pointer et tirer. Il n'y en a que deux, là. Ouais. De la part de Ludovic Montero. Ouais, il est court. Voilà, Michel est court sur Steven. Du coup, je pense que Ludovic. De toute façon, le jeu, il va être là. Il y a deux points par terre. Il peut rajouter pour essayer de mettre un troisième point et revenir à la moitié du score, à 5 à 10. Je pense qu'il est capable de pousser des boules, Ludovic Montero. Il doit être quand même soulagé d'avoir une boule à la pointe pour moi. Pour rajouter seulement. Ah oui, parce que ça aurait été sa première boule à tirer là, ouais. À 10 mètres. Ça va être évident. Mais 3 points supplémentaires. 3 points. Oui. Et ça recolle le score. Ouais. Une main qui va leur faire du bien. Oui, ça leur fait énormément de bien parce que là, ils étaient vraiment sous la grêle. Ouais. Les carreaux de Tchato et Michel Achadourian. Ils ont rendu l'appareil et maintenant, ben voilà, 5 à 10, on va renvoyer le but et peut-être changer la tactique, changer d'endroit, croiser sur le terrain. Allez, on va voir ce qu'ils ont décidé. Eh oui, on a décidé de jouer court et croisé. Voilà. Au cas où ça se passe mal et qu'on puisse éventuellement ça sera plus simple pour aller sortir le but. Allez, Ludovic Montero qui va essayer de bien engager cette main. L'impact. Ouais, elle est partie. Voilà. Ouais. Ah. Voilà. Oui, c'est Michel Achadourian qui nous montre l'impact et faut faire attention. La boule est partie un peu sur la droite et a pris de la vitesse. Vous êtes déjà plus de 4000 à nous suivre ce matin et on vous en remercie le dimanche matin. Voilà. Vous vous êtes levé avec un bon petit déjeuner et vous nous suivez. Ça nous fait plaisir. Et vous avez un suivi des résultats sur la page de Passion Pétanque Française. Vous pouvez retrouver tous les résultats avec les qualifiés, les premiers qualifiés. Je vous rappelle l'équipe de France et la formation de Dominique Fusaï pour les quarts de finale cet après-midi. Vous avez tous les résultats en direct. J'aurais pu partir plus loin ou sortir du terrain. On le voit pas bien à l'écran, mais juste au-dessous, il y a les racines de cette énorme platane là. Et en fonction, si on tape sur les racines, on a vite un gros écart à arriver. Ah, bravo Pierre. Très bien tiré, Pierre Lucchesi, petit carreau. Le fait de tourner, ouais. Ça les a remis tous les deux dans le bon sens, dans le sens de la marche.
Donc on prend le temps de la réflexion. Hein. Oui. Pour savoir si on tire à la boule, si on tire au bouchon. Ah, moi je vais tirer le bouchon. Je... Non. Voilà, on va en perdre le moins possible. On va essayer de détruire dans un premier temps si on rend le carreau. Et finalement, voilà, le carreau n'a pas été rendu, donc Michel décide d'aller tirer au bouchon. Et essayer, comme lors de la première main, d'annuler. Allez, je vois aussi que vous demandez le résultat de Christophe Sevilla. Alors là, il est au fond du carré d'honneur. Je vois qu'il y a 11 à 6, mais je ne sais pas pour qui. Et c'est écrit, normalement, les résultats en direct. C'est touché pour c'est touché, mais c'est pas sorti. C'est pas sorti, c'est resté à 20 cm là, ouais. De la ligne. Ah, il s'est tapé. Encore deux. C'est exceptionnel, ouais. C'est exceptionnel quand on voit un joueur comme ça. Bien tiré. Oui, oui, tu as raison. Il est d'une précision diabolique, lui. Michel Chadorian. Ah, bah oui. Ah oui. Ça, c'est lui, ça. Ça vous plaît, avec Michel. Ça va, c'est tout. S'il tape à chaque fois, c'est bien. Tu as frappé deux fois. Hein. Allez, si vous voulez rejoindre une équipe de passionnés, devenir partenaire du PPF Tour et de la grande finale PPF, n'hésitez pas, vous pouvez prendre contact avec le président Pascal Marie. Voilà, son numéro s'affiche sur vos écrans. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez prendre contact avec le président. Il sera très heureux de vous accueillir. Oui, très heureux de vous accueillir dans notre équipe et dans notre aventure, l'aventure PPF. Il a frappé deux fois. C'est bien. Alors on se retrouve un peu comme la partie que nous avons commentée hier là. Où le bouchon a été envoyé très proche de la ligne et ça va se jouer vraiment tactiquement, à savoir il y a 4 mètres. Avec une boule à environ 70 cm, est-ce qu'on tire ou est-ce qu'on pointe? On se pose des questions, on va voir. Alors ouais, c'est très très court en plus, le but est à 6 mètres. Ouais. Mais avec le dévers qui est pas visible là sur la caméra. Ouais. Il y a un dévers où on peut vite dérouler et sortir du cadre. Attention. Hein. Regardez. Oh, regardez. Limite. Bravo. Allez, vraiment très très bien joué de la part de Mathieu. Il était joué à la limite. Hein. Bouge plus. Hein. Bien, Pierre. Et Pierre Cuisier qui continue. Très très bien tiré. Hein. Là, ils se répondent de coup pour coup. Hein. Bon. J'arrive dans la tâche. Ça de plus. Vous voyez, ouais, voyez. Je l'ai dit tout à l'heure. Tu disais, Jean-Michel, ouais. Ouais. À prendre des risques avec ce dévers-là, on a vite fait de déballer et d'aller passer derrière la ficelle. Et finalement, le point qui est resté à 90 cm devant de Ludovic Montoro, c'était peut-être la bonne idée. Oui. Allez, Chato, lui qui va essayer de venir, de passer entre ces deux boules là. Comme lui a montré Michel Chadorian, il est là le jeu. Il prend pas de risque.
Voilà, c'est bien joué. Allez, Pierrot. Après, il faut les jouer juste. Hein. Ouais, oui. Et en fonction de ce que va Pierre faire Pierre Lucchesi, je pense que Michel repartira au bouchon. Bravo, voilà. Pierre. Superbe. Tu parlais. Qui améliore le point. Et voilà. Et c'est reparti. Ah ben là, il est. Et j'ai l'impression de lire dans les pensées de Michel maintenant. Ah, il faut y tomber dessus. Juste par droit. Deuxième essai. Pas droit non plus. Allez, on va essayer aussi d'y tomber dessus pour en perdre que 3. Que 3 au lieu de 6, oui. Ouais. Et puis partie terminée également sur le terrain 10 avec la victoire et la qualification pour les quarts de finale de Christian Andrianceno, Clément Bousquet et Flavien Sauvage qui viennent de s'imposer face à la formation de Kevin Lelouch, Yannick Mouro Fontan. C'est bien tiré. Le but n'est pas sorti. Troisième équipe qualifiée. C'est déplacé sur le terrain d'un côté. L'équipe de Christian Andrianceno, équipe du champion du monde malgache, qui tire la case numéro 6 pour cet après-midi, 14h30. Pas d'adversaire pour l'instant. Et bon, on perdra. Voilà, on va essayer de marquer 3 points. Ouais. Au final, ce sera toujours mieux que d'en prendre 6. Donc c'est 3 points supplémentaires. Ah, c'est comme s'il avait sorti le but. Ouais, c'était finalement, vu le résultat, c'était la bonne solution pour essayer de perdre le moins possible. Et voilà une partie qui s'équilibre, Romain. Ouais, ça y est. Sa partie s'est rééquilibrée. Depuis qu'ils ont tourné, hein, Pierre Lucchesi et Michael Rosati, ça va beaucoup mieux pour eux. Ah oui, ça va beaucoup mieux, hein. Ouais. Ils répondent beaucoup plus au tir. En fait, tout s'équilibre. On oblige l'adversaire à pointer. Ouais, encore une très belle entente. Ouais, superbe entame de main de Ludovic Montoro. Et nous en enlever 3. Mine de rien. Chiquet. Ouais, faites passer celle-ci. Ah, il s'agace un peu, hein, Michel. Ouais. Il s'est un peu agacé là. Il a perdu un peu de concentration. Qui va obliger José Miret. Il a un petit tour, dommage. Allez, tire. Ah, il va pas gagner ce point. Il va falloir le gagner à tout prix. Il faut le gagner, ouais. Ah. Ce sera court. On termine également l'instant sur le terrain 16. Voici la qualification pour les quarts de finale. En fait, il y a un cadeau de Jacques Dubois et Anthony Cortés qui viennent de s'imposer face à Grégory de la vie, Laurent Ferré, Thierry et Vitel, Aubry. Donc
viendra accueillir le but de Dylan Cavan. Voilà, ça a compris. Allez Pierre. Cette fois-ci c'est gagné. Bon. Les quarts de finale, ce sera la case numéro 8. Pas d'adversaire pour l'instant en quart de finale pour l'équipe de Dylan Cavan. Ouais, c'est pas droit. Dommage. Il revient tout de suite. Ah, c'est beaucoup mieux. Il a pas pris le temps de la réflexion. Ouais. Il a retiré tout de suite Pierre Lucchesi. Allez. C'est droit. Tu vois la caméra comme ça, le tu le vois dans votre tête. Vous êtes en fait un véhicule de football, ma chaîne. Ça me. J'ai rentré le roi, ça va m'achiner. Et puis parti terminé également sur le terrain. 14. La victoire et la qualification pour le quart de finale de Vincent. Château lui qui continue sa superbe partie. Partie oui. Attends, on a décidé de venir casser du poing hein, pour essayer d'économiser, d'en perdre le moins possible. Hein. Ah ouais, c'est drôle, tu fais pile. Les quarts de finale, puisque les quatre premiers ne se sont pas couverts. On a gagné, yes. Qui jouera cet après-midi. Ah, par contre, ça va jouer dans la boucle. Face à l'équipe de Dylan Cavan. Alors attention, est-ce que, ouais, parce est-ce que là, qu'il a coupé sur la non, boule non, de derrière je pense non, il a pas coupé, il y en a deux par terre, donc ouais. Du coup, bah, s'il rentre pas à deux, il va laisser Caro gagner un tour de canot. S'il joue dans la boule et qu'il arrive à faire rentrer de la blanche, super plus sûr. C'est bien joué. Jouer dans la boule, c'était pas... Bah, si tu rentres les deux, ouais. Même que tu perds le point, mais que tu rentres les deux... Château canot qui a Caro gagné. Il laisse pas la gagne, au moins. Tu laisses pas la gagne. Voilà. Alors, il y a un peu est-ce que. Ah, si tu joues dans la boule, c'est pas poussé. Faire. On va mesurer le troisième. Il y en a deux sur. Ouais. Et c'est terminé. Bah, apparemment, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Petit palais sur petit palais qui est fini. Bah, finalement, la main s'est retournée tout de suite. Sur cette boule qui est restée un peu coincée là devant de Michael Rosati. Les qualifications pour les quarts de finale cet après-midi de José Murati, Michel oui. Achadourian et Antoine Château Canon qui a fait une très 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 grosse partie. Ah oui oui, ça va être l'homme du match. Ah oui, ah oui, oui je pense qu'on parce peut... que malgré cette boule ratée où est-ce qu'il pouvait faire 6 au carreau, il a vraiment pas beaucoup ah ben oui, de une efficacité redoutable, fait... un gros volume de jeu. Après aussi Michel Achadourian qui a sorti plusieurs fois le but. Qui a sauvé son équipe. Ouais. Et on pensait que l'équipe de Pierre Lucchesi allait revenir, notamment là sur cette désarmène avec le premier raté de Michel Achadourian, ouais. Pardon. Et finalement, ben, la main s'est retournée. Mais voilà, vous avez assisté à une très belle partie. On a vu du beau spectacle. Où est-ce que ben, Michael Rosati et Pierre Lucchesi ont décidé de tourner. C'était beaucoup mieux. Malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi. Et c'est la qualification pour les quarts de finale de José Murati, Michel Achadourian et Antoine Château Canon. Vous pouvez suivre eh bien, en direct tous les résultats sur la page Facebook Passion Pétanque Française. Tous les résultats qui sont mis en direct. Et nous, on se retrouvera dès, ben, tout dès à cet après-midi. Cet après-midi à 14h30 pour vous présenter un quart de finale. Un quart de finale où est-ce qu'on suivra ensuite les demi-finales à 17h30. À 17h et la finale ce soir, à 21h, la grande finale à 21h. Encore merci tous les téléspectateurs, ouais. Merci de nous suivre sur la page Facebook et on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Oui, merci Jean-Michel, merci à tous merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon appétit. Merci, bon appétit à tous.